Alors, merci, Monsieur le Doyen, cher François, merci pour votre présentation, mais aussi merci pour tout ce que vous avez fait, tous les efforts que vous avez déployés depuis plusieurs années pour produire cette chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires, qui est une institution assez originale au pays. Alors, merci aussi, mesdames, messieurs, d'être venus en si grand nombre. Je sens que j'ai devant moi une tâche redoutable. Je dois essayer de vous entretenir du Parlement du Québec, et je dis que c'est une tâche redoutable parce que je vais vous parler d'une institution qui, comme vous le savez, souffre d'une crise de confiance. Cette crise se manifeste notamment par le désintérêt croissant que suscite son élection parmi la population, les taux de participation électorale, et j'y ajouterai aussi le discrédit qui frappe ceux et celles qui évoluent à titre de députés ou de ministres. Bon nombre d'entre vous entretiennent probablement une vision peu flatteuse des politiciens. Certains se demandent peut-être s'il vaut vraiment la peine pour eux d'accomplir ce qu'on appelait autrefois leur devoir de citoyen. Moi, je ne partage ni l'un ni l'autre de ces sentiments, mais je sais qu'ils existent et aussi que c'est mon devoir de scientifique de les analyser et de comprendre pourquoi ils se manifestent. Je soupçonne que pour beaucoup d'entre vous, le Parlement, c'est essentiellement la période des questions. Si tel est le cas, je n'ai aucune difficulté à comprendre que vous ayez une piètre opinion des politiciens et de l'institution à l'intérieur de laquelle ils évoluent. D'où mon premier message, le Parlement, c'est bien plus que la période des questions. Des pans entiers des travaux parlementaires et des activités des députés, parce qu'ils ne sont pas spectaculaires, sont totalement ignorés du grand public et des médias qui le nourrissent. Je pense par exemple aux séances des commissions parlementaires où prévaut une atmosphère bien différente de celle qui règne sur le parquet de la Chambre entre 14h15 et 15h. Je songe aussi au travail qu'effectuent les députés dans leur circonscription, qui est presque toujours ignoré par les médias et, pour mettre tout le monde à l'aise, par les universitaires également. À mon expérience, ceux qui sont bien au fait de telles activités, et j'en vois pas mal parmi vous, entretiennent une image bien plus positive du parlementarisme. Ils savent que malgré les apparences que créent certaines scènes théâtrales, les députés sont tout à fait capables de coopérer par-delà les lignes de parti. J'en ai fait l'expérience concrète pas plus tard que l'hiver dernier. J'avais invité des députés de trois partis à venir entretenir mes étudiants de leur travail, et je les avais mis en garde à l'avance contre la tentation de se livrer à un certain prosélytisme partisan auprès des étudiants. Je peux vous le dire, ils ont été parfaits tous les trois, et l'un d'entre eux d'ailleurs a eu le mot de la situation en disant « mes collègues des autres partis », je le cite, « mes collègues des autres partis, le seul temps où je veux rien savoir d'eux autres, c'est la période des questions ». Ce qui laisse pas mal de temps où ils peuvent s'entendre. Un sondage effectué il y a quelques années pour le compte de l'Assemblée a révélé quelque chose d'intéressant, c'est que les citoyens ont une estime moyenne pour les députés en tant que groupe, mais une opinion beaucoup plus positive des députés à laquelle ils ont eu affaire concrètement. Donc, l'activité parlementaire ne se limite pas à la période des questions, elle se limite pas non plus à ce qu'on a pu voir au téléjournal de la veille. Le Parlement a une longue histoire, une histoire qui couvre plus de deux siècles. Pour les fins de cette conférence, j'ai adopté une perspective historique à long terme, avec l'ambition de vous faire découvrir la richesse de notre tradition parlementaire, la variété surprenante des comportements qui y ont été adoptés et l'évolution de ces méthodes de travail. J'ai emprunté le titre de ma conférence à celui d'un livre de Raymond Aron, « Les deux épithètes contraires ». Immuable et changeante, me paraissait appropriée à l'examen d'un Parlement dans une perspective historique à long terme. Mais comme vous allez le constater bientôt, notre Parlement a été pas mal plus changeant qu'immuable. Alors, comme toutes les institutions qui durent, les Parlements conservent depuis leurs origines des traits particuliers qui leur sont fondamentaux. La durée, pour une institution politique, c'est une force. Je n'ai jamais oublié la réponse d'un professeur africain aux éloges que j'adressais au dernier né des textes constitutionnels de son pays. Il y en avait eu beaucoup. Et j'avais dit, votre texte est pas mal moins touffu que notre constitution canadienne. Et lui, il avait répondu, vous savez, la vôtre, elle a duré. Ce qui était bien répondu.
L'ancienneté et la durée peuvent aussi devenir un piège. Le prestige que procure l'ancienneté peut facilement engendrer la sclérose quand il rend aveugle aux réalités qui changent. Le temps, disait le philosophe Francis Bacon, c'est le plus grand des innovateurs. Une institution qui prétend rester immuable à travers les âges est condamnée à périr. C'est un théoricien politique conservateur avec un petit C qui s'appelait Edmund Burke qui nous le dit. Un régime politique qui est incapable de changer est incapable de durer. Tout en conservant certaines caractéristiques qui tiennent à son essence, il doit s'adapter aux exigences des temps nouveaux. C'est un des paradoxes de ce continent qu'on appelait autrefois le Nouveau Monde, que certaines des constitutions qui y prévalent comptent parmi les plus vieilles de la planète et qu'on y trouve des parlements parmi les plus anciens. Le nôtre, comme vous le savez, a été créé par l'acte constitutionnel de 1791. Contrairement à ce que certains d'entre nous aimeraient croire, son ancienneté, à l'échelle du pays et du continent, n'a rien d'exceptionnel. Les législatures de la Nouvelle-Écosse, 1758, de l'île du Prince-Édouard, 1773, du Nouveau-Brunswick, 1784, lui sont antérieures. Sur le continent nord-américain, en fait, la palme revient à la législature de l'État américain de Virginie, dont les origines remontent à 1619, c'est-à-dire à peine 12 ans après les premiers débarquements à Jamestown, dont on a célébré les 400 ans l'an dernier. Vous voyez que les 400e anniversaires sont plus fréquents qu'on le pense. Les colonies américaines en révolte contre la couronne britannique en 1776 avaient toutes, depuis belle lurette, des parlements élus. De façon plus étonnante, la Barbade, la Jamaïque et les Bermudes peuvent même se targuer d'être le siège de parlements encore plus anciens que le nôtre, même si on peut douter que les touristes qui envahissent chaque année ces îles exotiques prêtent grande attention à des réalités de cet ordre. Alors, le Parlement québécois est donc un Parlement un peu plus jeune que beaucoup d'autres à l'échelle de la côte est du continent nord-américain et des Caraïbes, et cette position particulière s'explique par les politiques coloniales, respectivement adoptées par la Grande-Bretagne et par la France. Pour simplifier les choses, disons qu'au moment où les grandes puissances européennes s'emparent du continent américain, l'Angleterre a un Parlement, alors que la France, celle de Louis XIV, celle de Richelieu, n'en a pas. Un sujet de Sa Majesté qui émigre dans les colonies britanniques conserve les droits politiques qui étaient les siens dans la métropole, non pas bien sûr vis-à-vis l'élection de la Chambre des communes, le vote par correspondance est assez difficile à l'époque, mais vis-à-vis de la législature de la colonie dans laquelle il s'est établi, car il est de règle de créer une telle législature. Nos ancêtres, issus d'un milieu différent, n'avaient aucune expérience en la matière et ne semblent pas avoir réclamé avec insistance sous le régime français des institutions représentatives. Donc, notre Parlement a été créé sous le nom de législature du Bas-Canada, comprenant en plus du gouverneur, un conseil législatif et une assemblée législative en 1791. Ce Parlement a connu une longue suspension dans son histoire. Après les rébellions, il a été remplacé en 1838 par un conseil spécial composé majoritairement de membres issus de l'oligarchie anglophone. L'union des deux Canadas en 1841 a privé le Québec d'un Parlement qui lui soit propre pendant un peu plus d'un quart de siècle. Il y avait un Parlement commun, bien sûr, pour ce qu'on appelait à l'époque la province du Canada, un Parlement au sein duquel siégeaient les députés du Québec et de l'Ontario. Ce fut une période charnière dans notre évolution parlementaire, avec notamment la conquête du gouvernement responsable en 1848 et une brève expérience d'un Sénat élu. Comme vous le savez, cette union forcée des deux provinces s'est révélée ultimement trop étroite, trop intime pour le confort mutuel des deux partenaires, et on a jugé qu'une certaine distanciation permettrait de mieux gérer les affaires communes, d'où la création des provinces du Québec et de l'Ontario en 1867 dans le cadre d'une union fédérale plus vaste. Le Québec retrouvait ce que le chanoine Gros appelait le suprême privilège de l'individualité politique et notamment un Parlement bien à lui.
C'est sur le Parlement du Québec depuis 1867 qu'ont porté les recherches de mon doctorat, qui deviendront un livre l'an prochain. Si on jette un regard très superficiel sur cette évolution, on note quelques constantes. Il y a des choses immuables. Le Québec est toujours une province du Canada, toujours de facto une société distincte. Le chef de l'État est toujours un lieutenant-gouverneur nommé par le pouvoir fédéral. Les députés, qui sont toujours plus instruits que la moyenne de leurs concitoyens, ça a toujours été le cas, sont toujours élus à la pluralité des voix dans des circonscriptions uninominales. Ils votent les lois et ils adoptent les budgets. Et un gouvernement ne peut survivre que s'il jouit de la confiance de la majorité d'entre eux. L'immuable, pour être franc, s'arrête à peu près là. Pousser la recherche plus loin, c'est découvrir une multitude de changements majeurs qui, à long terme, ont totalement changé le tableau initial. Nous avons connu une évolution à la britannique, où les formes anciennes subsistent souvent, mais où les rapports de force politique changent du tout au tout. Alors, sur le plan structurel, d'abord, je partirai de la définition juridique du Parlement dans notre régime politique. En 1867, la législature du Québec se compose de trois éléments, le lieutenant-gouverneur, le conseil législatif et l'assemblée législative. Pendant longtemps, ce trio a été autre chose qu'une façade. La grosse différence avec aujourd'hui, c'est que chacune des composantes du Parlement avait un rôle politique réel à jouer. Chose normale, d'ailleurs, à une époque où les légitimités monarchiques et aristocratiques n'avait pas encore entièrement cédé le pas à la légitimité démocratique qu'incarnaient alors les députés élus. L'Assemblée était le moteur du système, mais elle était entourée de contrepoids institutionnels. Il n'y a pas de meilleure illustration de la façon dont fonctionnait notre système parlementaire au 19e siècle que le fameux coup d'État du lieutenant-gouverneur Letellier en 1878. Le premier ministre d'alors est Charles de Boucherville. Il est solidement appuyé par les deux chambres de la législature. Letellier, lui, est un ancien ministre libéral fédéral qui, visiblement, ne considère pas sa fonction de lieutenant-gouverneur comme une sinécure. En mars 1878, il démet purement et simplement de ses fonctions de Boucherville et il le remplace par le chef de l'opposition libérale, Joly de Lotbinière. Le nouveau cabinet, naturellement, est minoritaire à l'Assemblée législative. Il est aussitôt censuré par celle-ci. Mais il réplique par la tenue de nouvelles élections. Ces élections aboutissent non pas à la condamnation par la population du geste pour le moins inusité du lieutenant-gouverneur, mais ça aboutit plutôt à une assemblée où les deux partis ont chacun 32 sièges et où le député indépendant des Trois-Rivières tient le fléau de la balance. C'est le premier en date de nos parlements sans majorité, le second, comme vous le savez, ayant été élu en mars 2007. Alors, Joly fait élire l'indépendant à la présidence de l'Assemblée et le nouveau président permet au cabinet de survivre à tous les votes de censure en exerçant son vote prépondérant jusqu'à ce que des élections partielles lui donnent une majorité plus confortable. Mais les choses se gâtent avec le retour au pouvoir à Ottawa des conservateurs, qui naturellement s'empresse de destituer le lieutenant-gouverneur Letellier et de le remplacer par un des leurs, le député Théodore Robitaille. La bataille se déplace alors au Conseil législatif, où la majorité conservatrice refuse de voter les crédits budgétaires et exige la démission du gouvernement. Finalement, l'impasse est brisée à l'automne 1879, lorsque le nouveau chef conservateur, Chapleau, réussit à faire passer 5 députés libéraux dans son camp, ce qui entraîne le renversement du cabinet Joly à l'Assemblée. Joly réplique à nouveau en demandant la tenue de nouvelles élections, mais cette fois-ci, le lieutenant-gouverneur lui refuse la dissolution, ce qui l'oblige à démissionner. Alors, les gestes posés à cette occasion par la Couronne sont aujourd'hui inconcevables, mais on verra encore par la suite un lieutenant-gouverneur démettre un premier ministre de ses fonctions, ça arrivera en 1891, on verra le Conseil législatif rejeter des projets de loi importants, comme par exemple celui qui aurait rétabli le ministère de l'Instruction publique. Deux premiers ministres, M. Boucherville et M. Ross, ont siégé au Conseil législatif plutôt qu'à l'Assemblée. Certains projets de loi du gouvernement étaient introduits en premier lieu à la Chambre haute. Bref, nous sommes habitués à ce qu'un parti prenne le pouvoir en remportant les élections, mais c'est le cas seulement depuis 1897,
avec la victoire des libéraux de Félix-Gabriel Marchand. Les quatre changements antérieurs de gouvernement au pouvoir avaient résulté jusque-là soit de l'intervention du lieutenant-gouverneur, soit d'un vote à l'Assemblée, mais jamais directement d'un résultat électoral. Au XXe siècle, les deux contrepoints institutionnels ont perdu leur importance. L'effacement complet du lieutenant-gouverneur remonte au début du XXe siècle et son invisibilité pratique date des années 60. Quant au Conseil législatif, il a sombré graduellement dans le coma avant d'être aboli en 1969. Ce déclin des contrepoids extérieurs à l'Assemblée a rendu notre régime plus démocratique parce que les deux autres institutions concurrentes ne l'étaient pas. Il a eu aussi un effet peut-être moins enthousiasmant, soit la concentration du pouvoir entre les mains de ceux, devrait-on dire celui, qui contrôle l'Assemblée. C'est donc l'Assemblée qui est devenue la source exclusive du pouvoir. Nous connaissons tous la façon dont elle fonctionne aujourd'hui. Le gouvernement, pourvu qu'il soit majoritaire, détient une emprise totale sur la façon dont elle fonctionne. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il n'en a pas toujours été ainsi. J'ai examiné l'évolution en longue période de quelques indicateurs du comportement des députés depuis 1867. J'ai commencé ce travail en postulant que la discipline de parti, le contrôle absolu du gouvernement sur les travaux de l'Assemblée, l'absence d'initiative législative de la part des simples députés, même du parti au pouvoir, que tout ça venait, pour ainsi dire, du fond des âges, que c'était consubstantiel au régime parlementaire que nous pratiquons. J'ai découvert, au contraire, un univers bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, et je me permets d'ajouter un univers, à certains égards, pas mal plus intéressant. Alors, le changement le plus profond, à mon avis, qu'a subi le Parlement québécois depuis la Confédération, touche ce qu'on appelle populairement la discipline de parti. Le spectacle qui nous est familier, c'est celui de députés qui suivent leur chef de façon absolue. Quel que soit le sujet discuté, l'allégeance partisane du député permet de prédire à coup sûr le vote qu'il émettra. Naturellement, il existe des dissensions à l'intérieur des partis. La règle admise veut cependant que ces divergences s'expriment autant que possible en privé, au sein du caucus. Une fois cependant que la ligne de parti a été indiquée, tout le monde suit. Il est intéressant de le savoir, les choses ne se sont pas toujours passées comme ça. Il fut un temps assez long, en fait, où les députés brisaient allègrement les lignes de parti. Les votes parlementaires se prêtent bien à la quantification. Aussi est-il possible de jauger rigoureusement l'évolution en longue période de la cohésion des partis politiques à l'Assemblée. Alors, examinons, si vous voulez bien, la cohésion là où elle compte le plus, c'est-à-dire au sein du parti gouvernemental. Il ne suffit pas qu'un parti détienne nominalement la majorité au sein d'une assemblée pour qu'on puisse dire qu'il la contrôle. Pour qu'une majorité soit effective, il faut qu'elle puisse maintenir une cohésion sans faille au sein de ses propres rangs. Quatre chiffres suffiront à illustrer la tendance historique qui, comme vous allez le voir, a l'allure d'une véritable lame de fond, qui nous a fait passer à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Prenons, si vous le voulez bien, un échantillon de quatre législatures, élues à une trentaine d'années de distance. Et calculons pour chacune de ces législatures combien de votes ont occasionné une cohésion totale parmi les députés ministériels. Alors, pour la législature élue en 1867, on découvre que seulement 4% des votes ont révélé une cohésion totale au sein du parti gouvernemental. C'est-à-dire que dans les 96 autres pourcents, il y a eu une dissension manifestée d'une façon ou d'une autre. Reportons-nous maintenant à la législature élue 30 ans plus tard, en 1897. Là, le pourcentage est passé à 50%. Sautons encore une trentaine d'années, législature élue en 1927, là, nous sommes rendus à 73%. Et maintenant, reportons-nous à la législature élue en 1956, et c'est maintenant 100% des votes qui donnent lieu à une cohésion de 100% au sein du parti gouvernemental. Et je peux vous dire que je n'ai pas inscrit au tableau les chiffres subséquents, mais c'est demeuré à peu près dans les mêmes eaux.
Alors, en d'autres termes, on est parti d'un niveau initial de cohésion à peu près de l'ordre de ce que l'on observe au Congrès américain pour aboutir, et sous M. Duplessis, on a atteint le terme de l'évolution, à une cohésion qu'on aurait qualifiée autrefois de prussienne, tellement elle était devenue absolue. Et chose intéressante, les dissidents s'étaient traités de façon tolérante par les chefs de parti, et il n'était pas rare à cette époque-là de voir tel dissident se retrouver au Conseil des ministres quelques années plus tard. Considérons maintenant un deuxième indicateur important, soit le nombre de fois où le gouvernement a été battu à l'Assemblée. Je considère ici tous les cas où le premier ministre s'est retrouvé lors d'un vote du côté perdant, quelle que soit l'importance de la motion qui a été mise aux voix. Un examen des procès-verbaux de l'Assemblée permet de découvrir pas moins de 105 votes perdus par le gouvernement entre 1867 et 1897. Donc, 105 votes perdus en 30 ans, et j'en ai trouvé 67 autres entre 1897 et 1933. Ces défaites sont survenues pour la plupart en contexte de gouvernement majoritaire, ce qui signifie que la dissidence des députés ministériels pouvait entraîner à l'occasion la défaite du gouvernement. Naturellement, la plupart de ces défaites, comme celles subies plus récemment en contexte minoritaire par M. Charest ou par M. Harper à Ottawa, portaient sur des questions mineures et pouvaient être avalisées par conséquent par le gouvernement qui les avait subies. Alors, on peut pousser l'analyse plus loin en distinguant les votes en fonction de leur objet. Alors, il y a quelques années, on enseignait dans les universités une vision assez caricaturale du gouvernement responsable, selon laquelle la moindre défaite en chambre nécessitait soit la démission, soit l'appel au peuple. Cette croyance a donné lieu à l'occasion à de petits psychodrames parlementaires, agrémentés de pas mal d'effets de toge chez certains orateurs. Heureusement, on est aujourd'hui pas mal mieux informés. On sait que l'existence du gouvernement est en jeu sur une motion de censure, bien sûr, sur sa politique budgétaire, sur le vote des crédits budgétaires. On sait qu'une défaite sur un projet de loi gouvernemental est plus sérieuse, mais encaissable, tout comme le rejet d'ailleurs d'un crédit budgétaire isolé, et qu'une défaite portant sur un projet de loi de député ou une motion de député ou encore sur un projet de loi privé n'a aucune chance ou à peu près de nous plonger en élection, à moins que le premier ministre ne trouve dans cette défaite le prétexte qu'il cherchait pour aller au peuple. Eh bien, les députés d'autrefois connaissaient parfaitement les règles du jeu et ils se comportaient en conséquence. Alors, le tableau, le graphique qui est sous vos yeux, vous indique le degré de cohésion manifesté par le parti gouvernemental lors des votes tenus durant la période au 19e siècle, mais en distinguant les votes selon leur objet. Alors, vous constatez les trois premières colonnes portent respectivement sur les votes de censure, sur les votes de subsides, c'est-à-dire de crédits budgétaires, et de projets de loi gouvernementaux. Ce sont les trois matières les plus sensibles. Et vous constatez que le degré de cohésion est voisin de 100, c'est-à-dire une cohésion quasi totale à ces occasions-là. Par contre, regardez bien les trois colonnes qui suivent. Ces trois colonnes vous indiquent le degré de cohésion manifesté lorsqu'on vote sur un projet de loi public de simples députés, d'opposition ou du côté gouvernemental, ou encore lorsque l'on vote sur des projets privés. Et là, vous constatez que la cohésion est nettement inférieure. Et finalement, ces votes sur les motions diverses, de nature plus politique, sont plus élevés. Alors, vous constatez que très élevé lors des votes mettant en jeu la survie du cabinet, la cohésion se relâchait lorsqu'on votait sur un bill privé ou sur un projet de loi public de députés. Troisième indicateur maintenant du comportement des parlementaires, l'initiative en matière législative. Les règles du jeu contemporain, encore une fois, sont connues. Les seuls projets de loi qui ont une chance raisonnable d'être adoptés sont ceux qui émanent du gouvernement. Encore ici, le Parlement d'autrefois donnait lieu à des comportements bien différents. Des très longues recherches que j'ai effectuées à ce sujet, j'extrais seulement quelques chiffres, mais ils en disent long. Alors, l'indicateur ici, c'est le poids relatif de l'initiative parlementaire parmi les projets de loi d'intérêt public, on ne parle pas de bill privé ici, les projets de loi d'intérêt public adoptés par l'Assemblée.
Alors, durant les 30 années suivant la Confédération, leur proportion s'est élevée globalement à 2/5 du total. Et encore durant le long règne des libéraux, Gouin et Taschereau, ça dépasse encore le quart du total. Vous voyez qu'il y a eu une période, on a même atteint au tournant du siècle presque 65-70%. À cette époque-là, le gouvernement avait presque perdu le contrôle de l'Assemblée et il n'est pas sans intérêt de rappeler que le premier ministre du temps, M. Parent, a eu le douteux honneur d'être dégommé de son poste par ses collègues à ce moment-là. Probablement que son leadership était un peu trop faible. Mais il y a donc, à cette époque-là, deux sphères bien distinctes dans l'activité législative. La première englobe, bien sûr, les projets de loi publics du gouvernement, dont l'adoption se fait dans le respect des lignes de parti, comme aujourd'hui, et qui demeure la plus importante qualitativement et quantitativement. Mais contrairement à ce qu'on observe aujourd'hui, il y a également une deuxième sphère, constituée par les projets de loi d'intérêt public présentés par les simples députés. Ces textes modifiaient, par exemple, le Code civil, le Code de procédure civile, le Code municipal, et beaucoup de simples députés faisaient figure à ce moment-là non seulement de législateurs acharnés, parce qu'ils multipliaient la présentation des projets, mais aussi de législateurs à succès, parce qu'ils réussissaient à en faire adopter beaucoup. Et loin de passer pour des excentriques, ces députés constituaient à bien des égards la crème de l'Assemblée et leur formation juridique les menait par la suite à des postes de ministre ou de juge. Alors, avant de faire l'apologie du bon vieux temps, il faut préciser pour être complet qu'on ne se félicitait pas toujours du dynamisme législatif des députés. J'abrège ici mon propos, mais simplement pour dire qu'en 1878, le juge Loranger a présenté un rapport dans lequel il se scandalisait de ce qu'il appelait la manie de législater des députés. Il disait que beaucoup des projets de loi qu'on adoptait, qui provenaient de députés, n'étaient pas de très, très bons projets. Il proposait un mode de répression et c'était un peu outrecuidant de la part du juge Loranger de dire ça, parce que ça laissait entendre que la législation était une chose trop sérieuse pour être laissée aux députés. Mais il devait y avoir un petit peu de vérité dans tout ça, puisque l'Assemblée a réagi à ce propos, non pas en tapant sur les doigts de son auteur, mais justement en créant une commission qui a effectué un tamisage des projets de loi de simples députés, ce qui n'a pas empêché, par ailleurs, les députés de faire adopter leurs projets de loi en assez grand nombre pendant plusieurs années encore. J'ajouterai une troisième sphère qui est aussi numériquement impressionnante, et c'est celle de la législation d'intérêt privé. Une grande partie des travaux de l'Assemblée a longtemps été d'adopter des projets de loi privés, c'est-à-dire des textes émanant de l'extérieur de la législature. À en juger par les votes auxquels ces textes ont donné lieu, le gouvernement considérait que les députés étaient libres de voter à leur guise sur les bills privés, et il n'était pas rare que le premier ministre, ou à défaut la majorité de ses collègues, se retrouve du côté perdant. Alors donc, je pense que pendant une assez longue période de temps, on peut dire, là, 1867 à 1936 environ, on peut dire que le Parlement québécois a fonctionné avec des partis moins strictement disciplinés qu'aujourd'hui. Comment en sommes-nous venus à la situation actuelle? Ben, il est toujours dangereux, de tout ramener à une seule personne, mais je crois qu'il faut désigner Maurice Duplessis comme l'artisan principal de l'avènement du Parlement contemporain, où la discipline de parti règne en maître et transforme la Chambre en organe d'enregistrement des volontés de l'exécutif. Appelons-le le grand corrupteur du Parlement, si l'on pense que les comportements que je viens d'exposer constituent l'idéal à atteindre, ou encore le grand modernisateur, si on pense que ces mêmes comportements font figure de folklore dans le monde moderne. Peu importe, c'est question de jugement, mais force est de constater qu'avec Duplessis, les comportements parlementaires changent de façon drastique et que les derniers vestiges d'indépendance parmi la députation cèdent devant le rouleau compresseur de la discipline de parti et de l'hégémonie de l'exécutif. Alors, petite mise en contexte qui s'impose ici, Duplessis est un parlementaire redoutable qui maîtrisait très bien la procédure parlementaire et il l'a manifesté en particulier parce qu'il a réussi à faire tomber un gouvernement majoritaire. Il a réussi comme ceci, c'est qu'en 1936, il a évidemment convoqué le comité des comptes publics, vous avez dû en entendre parler, il a réussi à discréditer le régime d'Alexandre Taschereau, mais Taschereau était majoritaire.
il aurait pu se maintenir pendant encore 4 ans et faire oublier ce qui avait été révélé au comité des comptes publics. Mais c'est là que Duplessis a réussi à utiliser la procédure pour bloquer l'adoption des subsides, des crédits budgétaires par l'Assemblée. Ça a obligé le gouvernement, même majoritaire, à aller en élection beaucoup plus tôt que prévu, dans l'atmosphère de scandale qu'avaient révélé les comptes publics. Donc, il a réussi quelque chose, il maîtrisait superbement la procédure parlementaire. Et sous son égide, on peut dire, une fois qu'il est devenu premier ministre, que l'Assemblée a changé de visage. Parce qu'au lieu de tolérer, comme ses prédécesseurs, une certaine dissidence dans ses rangs, il a expulsé un à un les dissidents de l'Union nationale. J'ai ici un petit tableau qui résume de façon saisissante ce qu'on pourrait appeler l'effet Duplessis. Alors, sous le régime immédiatement précédent, vous constatez que l'initiative parlementaire se déployait assez bien, la dissidence au sein du gouvernemental n'était pas rare du tout, ni non plus les défaites du gouvernement. Voici maintenant les mêmes chiffres, mais pour l'époque dominée par M. Duplessis. Alors, vous constatez que la dissidence est réduite à peu de choses, que la législation d'initiative parlementaire est littéralement étranglée et, comme vous le devinez, les défaites du gouvernement sont réduites à leur plus simple expression. Je pourrais vous raconter aussi beaucoup de choses sur les bills privés, mais il était très, très évident, il est devenu très évident que les bills privés, maintenant, il n'y avait pas une seule virgule qui passait sans que le premier ministre soit d'accord. M. Georges-Émile Lapalme était allé à une séance du comité des bills privés. Il a regardé comment Duplessis se comportait et il nous dit sa conclusion dans ses magnifiques mémoires. Il dit « Une seule séance et j'étais édifié ». En comité, comme à la Chambre, Maurice Duplessis régnait avec une superbe impudeur. Alors, cette révolution dans le comportement des parlementaires, elle s'est avérée durable. Les adversaires de Duplessis ont eu beau dénoncer son comportement autoritaire, ils n'ont été que trop heureux, une fois arrivés au pouvoir, d'en profiter à leur tour. Alors, le Parlement tel qu'il fonctionne aujourd'hui est largement le fruit d'une mutation dans les comportements parlementaires qui s'est accélérée sans retour sous Duplessis. Avec maintenant la Révolution tranquille, on a assisté à une deuxième révolution, touchant cette fois-ci les méthodes de travail et la procédure de l'Assemblée. Cette révolution a eu pour effet net de permettre au gouvernement de contrôler encore davantage les travaux du Parlement et de rendre ses décisions encore plus prévisibles, quitte à rogner sur les droits de l'opposition. La philosophie qui sous-tend la procédure actuelle, c'est que l'opposition peut s'opposer, mais que le gouvernement gouverne et que, ultimement, la population jugera. La procédure parlementaire est une discipline quasi ésotérique qui suscite chez ceux qui la maîtrisent une passion frénétique, contrastant avec l'indifférence générale du grand nombre et même des observateurs de la scène parlementaire. Alors, rassurez-vous, je n'entrerai pas dans les détails, même si je les ai visités et revisités dans mes plus jeunes années, je vais m'en tenir à l'essentiel. Disons que notre procédure parlementaire, elle a été presque immuable jusqu'en 1960. La grande originalité du Québec à cet égard tient à la formulation plutôt qu'au contenu, c'est-à-dire que la procédure britannique est assez touffue, il y a plusieurs sources. Nos juristes avaient réussi à codifier tout ça, c'était le grand œuvre du greffier Geoffrion, en un beau code qui, dans son édition de 1941, atteignait 812 articles. Et je puis vous dire, ayant examiné ce genre de document, que c'était le règlement parlementaire le plus long de tout l'Empire britannique. Cette procédure parlementaire, elle reposait sur un certain nombre de postulats, et d'abord qu'il fallait protéger les droits des députés et de l'opposition. C'était sacré. On ne limitait pas, par exemple, la durée des débats. Et avant que Duplessis introduise une limite de temps d'1 heure au discours de députés, pour empêcher ce qu'il avait fait lui-même en 1936, pour bloquer les subsides, il n'y avait pas non plus de limite à la durée des discours. Alors, il existait toutes sortes de façons de retarder les choses, et pour tout dire, si l'opposition allait au bout à ce moment-là et utilisait toutes les ressources de la procédure pour bloquer l'adoption d'une mesure, la mesure pouvait tomber. On ne pouvait pas couper court à un débat en invoquant la clôture.
Donc, encore en 1969, peut-être que c'est un exemple dont certains d'entre vous se souviennent, mais en l'absence d'un mécanisme de clôture, il a suffi d'une demi-douzaine de députés pour retarder pendant un mois l'adoption du fameux Bill 63, une mesure qui pourtant était appuyée aussi bien par le gouvernement que par l'opposition officielle d'alors. Le deuxième postulat sur lequel reposait l'organisation des travaux du Parlement québécois, c'était que tout devait se faire sur le parquet de la Chambre. Pendant un siècle, les commissions parlementaires ont existé sur papier, mais elles n'intervenaient en pratique que pour l'examen des projets de loi d'intérêt privé. À une époque où l'État québécois intervenait peu, où les budgets étaient relativement modestes, il était possible, sur des bases pareilles, de boucler les sessions parlementaires en environ 3 mois, soit en une quarantaine de jours de séance. Ce vieux système est devenu rapidement inadéquat avec la Révolution tranquille. En multipliant les lois, en gonflant les dépenses, le gouvernement a vite réalisé que si l'Assemblée ne changeait pas ses méthodes de travail, les sessions allaient se prolonger indéfiniment. En 58-59, l'Assemblée s'était réunie environ 45 jours de séance. En 60, 61, 62, 63, les premières années de la Révolution tranquille, on passe à 90-100 jours de séance. En 1964, on fracasse le record de tous les temps, 120 jours de séance. Alors là, vraiment, on était en pleine crise institutionnelle et il fallait changer les choses. Et c'est à compter de 1964, donc, que l'Assemblée s'est mise à réformer ses méthodes de travail de façon drastique, en s'inspirant de ce qui s'était fait à Londres et à Ottawa, où les mêmes défis s'étaient posés quelques décennies auparavant. Les temps forts de cette réforme ont été la réactivation des commissions parlementaires à la fin des années 60, l'adoption d'un nouveau règlement en 1972, l'adoption d'une nouvelle loi sur l'Assemblée nationale en 1982 et d'un nouveau règlement en 1984. Ces réformes ont comporté des centaines d'innovations. Je vais en extraire deux qui me paraissent fondamentales. Il s'agit de l'utilisation des commissions parlementaires et la restriction des droits des députés. Alors, comme je l'ai mentionné, les travaux du Parlement se déroulaient autrefois pour l'essentiel sur le parquet de la Chambre. Que la discussion porte sur une matière essentielle, comme l'adoption du principe d'un projet de loi, par exemple, ou sur une méthode, un sujet extrêmement pointu, comme les crédits budgétaires du ministère de la colonisation, l'orthodoxie du temps voulait que tous les députés puissent prendre part à la discussion. Autrement dit, pour utiliser le langage des assemblées délibérantes, on était en plénière tout le temps. Et tout évidemment, ce qui comportait un risque sérieux d'engorgement à mesure que les affaires à traiter s'accumulaient. Alors, tout le monde va vous le dire, si on dispose d'un temps illimité, c'est une façon de faire qui se défend. Mais quand le temps nous est compté, il est probablement plus avisé de discuter les sujets pointus en petit comité, et on gagne beaucoup de temps en faisant siéger plusieurs petits comités en même temps, quitte à réserver à la plénière les grands débats ainsi que la décision ultime sur ce que les petits comités ont décidé. Donc, à compter des années 60, on a réactivé les commissions parlementaires et on leur a confié deux tâches qui, auparavant, consumaient beaucoup de temps à l'Assemblée, soit l'étude des crédits budgétaires et l'examen détaillé des projets de loi. Pour vous donner une idée de l'ampleur du changement, disons que la durée des activités des commissions est maintenant de 2 à 3 fois supérieure globalement à celle des séances de l'Assemblée. La durée de ces dernières a été ramenée à 80 jours de séance environ. Le gouvernement n'a rien perdu à ce changement, puisqu'en circonstances normales, sa majorité à l'Assemblée est reproduite au sein de chaque commission, et parce que la majorité gouvernementale à l'Assemblée conserve toujours la prérogative de reprendre victorieusement les batailles qu'elle aurait pu perdre au sein d'une commission. Une autre dimension essentielle des changements intervenus, qui est moins souvent claironnée, mais qui n'est pas moins importante, c'est l'élimination quasi complète de la possibilité pour l'opposition d'empêcher l'adoption d'une mesure que le gouvernement, à tort ou à raison, est déterminé à mener à bien. La durée maximale des discours a été réduite à 30 minutes en 1969 et à une vingtaine de minutes 3 ans plus tard. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le Parlement compte si peu de professeurs.
Certains débats sont assujettis à ce que nos bureaucrates, dans leur langue inimitable, appelleraient une enveloppe globale, c'est-à-dire que la durée totale est limitée à l'avance. Surtout, la majorité a acquis le droit de couper court à un débat pour faire prévaloir sa volonté par le biais de deux innovations essentielles, soit la clôture de l'étude en commission et la suspension des règles pour raison d'urgence. Deux procédures que le grand public englobe indifféremment sous le vocable péjoratif de « bâillon ». À cet égard, le bâillon était pratiquement inconnu dans le Parlement d'autrefois parce que les filibusters, les obstructions, étaient rarissimes. Mais l'observateur du Parlement d'aujourd'hui est bien obligé de constater que le bâillon est maintenant devenu quasiment routinier. Il fut un temps où le recours au bâillon suscitait des frissons, où les députés d'opposition sentaient le besoin de pousser les hauts cris en déchirant leurs vêtements devant le spectacle affligeant de libertés millénaires foulées aux pieds par un gouvernement en pleine dérive autoritaire. Bon, remarquez que les habitués du Sérail trouvaient ce genre de discours-là un peu drôle. En fait, au cours des dernières décennies, l'emploi du bâillon est devenu tellement fréquent qu'on s'en émeut de moins en moins. À cela, il faut ajouter des restrictions moins spectaculaires, mais non moins essentielles. Par exemple, il est devenu impossible, en contexte de gouvernement majoritaire, de bloquer les crédits budgétaires. Les commissions auxquelles les crédits ont été renvoyés sont réputées en avoir fait rapport à une date précise. La durée globale de l'exercice a été limitée à 200 heures. Pour les crédits supplémentaires, la limite est de 8 heures. Dépouillé du pouvoir de bloquer les décisions du gouvernement, l'opposition s'est vue concéder en contrepartie le pouvoir d'embêter le gouvernement par le biais de la période des questions qui a été introduite en 1963. Télévisée depuis 1978, tout comme les autres travaux de la Chambre, cette période est devenue, comme vous le savez, le clou des activités parlementaires. Bien qu'en théorie un député ministériel puisse poser une question, en pratique, la période est monopolisée par l'opposition. Tous les experts dont les horizons dépassent leur propre Parlement vous le diront, il n'y a pas grand-chose d'original au total ou de distinctif dans de telles mesures. Et nous n'avons guère fait plus à cet égard que d'imiter les parlements qui se réclament de la même tradition que nous. Un Québécois qui débarque aux antipodes et qui visite les parlements australiens ou néo-zélandais, j'ai eu cette chance, se sent rapidement à l'aise, tant lui sont familières les restrictions qui, là comme ici, encadrent les droits des députés. Il y a un point cependant sur lequel notre Parlement n'a pas craint de faire bande à part, c'est dans le domaine du symbolique ou, si vous préférez, de l'identitaire. Nous sommes la seule société majorité francophone, sauf erreur, à pratiquer le parlementarisme britannique. Et le caractère distinct de notre société nous a amenés à modifier des usages nés dans un autre contexte afin que notre population se reconnaisse davantage dans son Parlement. Cette tendance s'était déjà exprimée, mais avec modération, avant la Révolution tranquille. Le nouveau règlement, par exemple, en 1885, prévoyait qu'en cas de conflit entre les deux versions, française et anglaise, la version française l'emporterait. En 1936, Duplessis a fait installer un crucifix au-dessus du fauteuil du président de l'Assemblée. C'est une pratique qui est totalement inconnue aussi bien dans le parlementarisme britannique que dans les parlements de pays catholiques d'Europe continentale, encore qu'elle existe dans certains parlements brésiliens, je l'ai constaté récemment. Je ne résiste pas à la tentation de raconter à ce sujet une petite anecdote. Après un discours, c'était dans les années 30, M. Duplessis, et après un discours du député libéral Cowen, Duplessis, qui était un peu, semble-t-il, en état d'ébriété, avait dit qu'il ne faut pas trop prêter attention aux propos du seul juif dans la salle, ce qui était un peu lourd, et Cowen a répondu, en désignant le crucifix, « Je ne suis pas le seul juif dans la salle », ce qui était bien dit. Alors, encore en 1960, notre Parlement suivait toujours religieusement les usages britanniques. Le caractère monarchique de notre Constitution était réaffirmé dans les moindres détails du fonctionnement de l'Assemblée et le vocabulaire parlementaire restait truffé d'anglicisme.
Beaucoup de gens étaient mal à l'aise à cet égard-là. On avait plusieurs choix. Un nationalisme poussé à l'extrême nous aurait commandé de faire table rase, mais ce n'était pas possible dans le cadre constitutionnel actuel. On aurait pu aussi se cramponner à ce qui existait, et sans doute il y aurait eu une crise d'identification entre le Parlement et sa population. On a opté pour une voie mitoyenne, où on a nettoyé, disons, la terminologie parlementaire, où on a réduit la visibilité de la monarchie au strict minimum. C'est une solution qui est provisoire, peut-être, mais la plupart des acteurs parlementaires semblent pour le moment y trouver leur compte. Il me faut aussi parler, avant de conclure, d'une autre transformation importante, soit l'amélioration des conditions de travail des députés. Encore durant les années 60, ils étaient obligés de partager un bureau avec un collègue et ils étaient obligés de se contenter aussi de services minimaux. Aujourd'hui, ils disposent d'un bureau personnel, d'allocations diverses, d'un ou plusieurs bureaux de circonscription et même d'un personnel. Leur salaire est un des plus élevés au pays pour un député provincial, sauf erreur de ma part, et leurs qualifications professionnelles, faut-il l'ajouter, sont aussi plus élevées que celles de leurs homologues dans les autres provinces. Bref, les législateurs d'aujourd'hui demeurent tout aussi harnachés par la ligne de parti que leurs prédécesseurs, mais en contrepartie, ils sont mieux outillés pour remplir leur rôle de médiateur auprès de leurs commettants. Alors, avant que la guillotine automatique ne tombe, je conclus en notant que la majesté des édifices parlementaires québécois, vieux de près d'un siècle, ainsi qu'un examen très superficiel des activités du Parlement, pourrait nous laisser croire que le Parlement est une institution immuable. On serait tenté alors de dire en langage poétique « tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le fige ». En vérifiant cette citation, je me suis aperçu qu'elle était inexacte. Le vers exact, le vers du poète Mallarmé, dit plutôt « tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change », ce qui me paraît refléter beaucoup plus exactement l'évolution du Parlement québécois. Les institutions changent, pas aussi rapidement que beaucoup d'entre nous le souhaiteraient, parce qu'il est dans leur nature d'offrir un pôle de stabilité dans un monde en mutation perpétuelle. Mais elle s'adapte, et pour elle, c'est une exigence de survie. Notre Parlement, au terme de l'évolution, et il y en aura d'autres aussi, est devenu plus démocratique, il s'est féminisé, il reflète notre société mieux qu'il ne l'a fait par le passé. Il a subi un test important ces derniers mois avec le défi d'un gouvernement minoritaire. C'était inattendu, comme vous le savez, c'était la première fois depuis 1878 et nos règlements étaient clairement conçus en fonction d'une configuration politique bipartisane. Les débuts de la législature ont été difficiles, presque chaotiques. Elle s'est terminée aussi dans une acrimonie soudaine. Mais pourtant, nos parlementaires ont réussi à fonctionner pendant un an et demi avec un minimum d'efficacité et d'harmonie qui offre un contraste rafraîchissant avec ce qu'on a observé ailleurs. Ce faisant, notre Parlement nous a offert une preuve supplémentaire de sa capacité d'adaptation dans le droit fil de son histoire. Je vous remercie de votre attention et je suis maintenant prêt à répondre aux questions qui ont pu vous venir à l'esprit.